Larchène, le directeur de la maîtrise des Hauts-de-Seine et du chœur Unique Antilles. Mon rôle est avant tout d'être le chef de chœur principal de cette structure, d'être garant vis-à-vis des institutions et des partenaires artistiques de la maîtrise d'une philosophie, d'une éthique, d'une morale, et bien sûr vis-à-vis des familles et des enfants. Ça fait 33 ans maintenant que je dirige des chœurs, ce qui certainement me permet de conserver une éternelle jeunesse d'esprit en tout cas, puisque chaque répétition est une vraie cure de jouvence. Nous recrutons les enfants sur leur motivation, la qualité de leur voix, la qualité de leur oreille, et bien entendu avec l'idée de les construire, de les épanouir, et si possible d'en faire des enfants heureux dans leur basket. Alors nous recrutons les enfants très régulièrement, chaque saison, entre le mois de janvier et le mois de juin. Les enfants ont un rythme de répétition de 2 à 3 répétitions régulières par semaine, et parfois davantage lorsqu'ils sont sur des projets. L'une des particularités, c'est effectivement que les enfants comme les adultes vont chanter par cœur pour avoir un meilleur contact et pouvoir obtenir davantage de subtilité et de nuances dans ce que nous allons proposer. Je ne sais pas s'il y a une pédagogie ou une méthode Gaël Larchène. Ce que je sais, c'est qu'il y a le désir, encore une fois, de vouloir épanouir des enfants à travers une activité qui est une activité collective, qui leur demande beaucoup, qui nécessite travail, rigueur, excellence, mais en liant le plaisir et évidemment beaucoup d'émotions. Le plus important pour moi, c'est d'abord que ces enfants aient envie de chanter, soient motivés par une discipline qui est une discipline collective, donc qu'ils aient le désir de partager et de partager des émotions. Alors, la maîtrise des Hauts-de-Seine et le chœur Unique Antilles produisent beaucoup. C'est un programme plutôt lyrique qui est à venir, puisqu'ils seront, en ce qui concerne les enfants, sur la scène de Bastille dans Othello, aussi dans Carmen de Bizet, dans le Tosca de Puccini. On les retrouvera aussi au Palais Garnier dans le Casse-Noisette de Tchaïkovski. Et en ce qui concerne le chœur Unique Antilles, il participe à une production avec l'atelier lyrique de l'Opéra National de Paris autour de la Chauve-souris de Strauss. Dans ce Stabat Mater de Poulenc, voilà longtemps que nous avions envie de le reprendre. C'est un ouvrage que nous avions donné il y a plus d'une dizaine d'années. C'est une œuvre très profonde qui nécessite la clarté des voix d'enfants pour vraiment faire partager l'émotion indispensable et la tension de cet ouvrage. On a la chance d'avoir beaucoup de chanteurs sur scène, 300 choristes, plus un orchestre de 50 musiciens, notre orchestre de la scène. Et c'est dans ce projet où nous avons souhaité aussi associer l'Académie musicale de Philippe Jarowski à travers une jeune soprano, Amélie Raison, que nous espérons donner un maximum de plaisir à tous ceux qui viendront nous entendre. Depuis que nous sommes installés à la scène musicale, nous avons, grâce aux locaux mis à notre disposition par le département des Hauts-de-Seine, des espaces qui sont totalement en adéquation avec notre activité. Je pense que nous avons des locaux tout à fait uniques dans le monde pour un chœur d'enfants.